Nous reprenons notre partie d'Hollow Knight. Nous avons un petit peu avancé, parce que si on en croit les trophées, hein, nous avons découvert toutes les régions. C'est déjà pas si mal. Bon, malheureusement, il nous manque un charme. Ouais, 45 heures, ouais, déjà. Bon, sachant que j'ai fait pas mal de backtracking aussi. Hein. Mais c'est un jeu, je crois qu'il y a une durée de vie estimée à 40 heures. Hein. Donc, ouais, si on est à 5-10 heures en plus, c'est normal. Hein. À peu près ça. Il me manque malheureusement un charme pour avoir l'augmentation d'emplacement. J'en ai pas trouvé d'autres. Et bon, là, on était retourné au repos éternel parce que s'il fallait ramener des essences, on en avait récupéré 300. Le prochain échelon, c'est 500. Donc là, on n'y est pas encore. Hein. Et ouais, comme je disais, on a un petit peu visité tout ce qu'il y avait. Toi, t'as commencé Kirby, Fréon était au monde 2. Et salut à toi, Epic. J'espère que ça va bien. Donc ouais, niveau de la carte, bah visiblement on a découvert toutes les régions. Après, ça veut pas dire qu'on a tout découvert dans tout ce qu'il y avait. Mais voilà, on a fini de débloquer Jardin de la Reine, Falaise Hurlante, là qu'on n'avait pas encore eu. Voilà. Donc maintenant, on peut s'occuper des veilleurs. Puisque c'est la prochaine étape. Ah, prochaine étape pas forcément, mais en tout cas on va essayer d'aller voir les veilleurs. Alors lui, ça a l'air d'être le plus accessible dans un premier temps. Même s'il n'y a pas de sauvegarde juste à côté de lui. Hein. Bon, après j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tous les veilleurs. Les veilleurs, c'est super chiant parce que t'as pas de sauvegarde juste à côté d'eux. Ça a l'air d'être bien relou quoi. Bon, encore lui, ça a l'air pas être trop loin. Là, on va station de l'arène et puis le banc est un peu en dessous. Aussi on peut penser à essayer d'y descendre par là. Je sais pas quel est le chemin le plus court en fait, en vrai. Hein. On va regarder. Faire ça dans un sens. Ça me plaît pas, j'essaierai dans l'autre pour voir. Mais on va aller voir un peu ce que sont les veilleurs, parce que je crois que j'avais un petit peu exploré tout ce que j'avais... ce que j'avais envie d'explorer. Ah oui, non, attendez, il faut que j'aille là d'abord. Ah, c'est vrai. Pardon, j'ai oublié, j'ai ce truc à aller voir. Donc je vais aller voir ça d'abord. C'est chauffé. Donc, enceinte du palais, un coup de tramway. Dac, allez, c'est parti. Alors attends, il est où le... Hop. Enceinte du palais, c'est caché, station cachée. Hier, j'ai fait de la chasse aux chromatiques dans Diamant Étincelant. Je lance une chaîne, elle tient jusqu'au bout, j'attrape 7 tarsals chromatiques. Faudra que je reprenne Bravely Default 2 après. Oui, ça va bien, moi Epic, tranquille, j'ai passé un bon week-end. Alors attends, faut que... Ouais, il va falloir descendre pour monter, je crois. Alors le tramway, il est là. Attends, mais ça sort sur le banc. Hop. On va dans cette direction. Je crois que je suis au bout. Hop, ensuite... Ah oui, donc là on va passer par les vers de terre.
Alors attends, je sais jamais dans quel sens c'est. Putain, il arrive vite. Ah attends, il faut peut-être pas. Merde. Je me souvenais plus qu'il y avait des pics là. Oh bah non, la vache. Grosse entrée en matière. Plus facile dans ce sens. Ouais, c'est ça, et tu vas au banc. Il y a un passage de verre qui est pénible. Hop! Source d'eau chaude pour charger. Hop là. Voilà. Et donc, on cherche à aller... c'était dans l'autre sens qu'on cherchait à aller, c'est ça. Là, on est juste venu là pour charger. Tac. On est reparti. Parce que maintenant, je peux passer à travers le... les flux noirs, donc alors attends, faut que j'aille là. Tac, faut que je descende ici. Attendez, il y a le chien. Alors. Ça doit être par ici. Ah, je vois. Ok, il a spawné lui. Oh oui, d'accord, t'as juste la place de te mettre... Ah, il faut utiliser le fait que je sois... Oh là là. Ah, faut que j'utilise le fait que je sois invincible quand je dash. Ah. Dommage. Pas de chance. Il m'a détecté avant que j'arrive. Pas de chance, il m'a encore détecté avant que j'arrive. Le problème, c'est souvent ça, c'est que le jeu... Ouf. Ça a l'air d'être bien relou là. Ah merde, putain. Le passage n'importe comment. Ah bah dis donc. Ombre tranchante. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ton finesse, ouais. On a bien bourré, hein. Heureusement qu'on avait chargé pour arriver là. Ah, attends. Ah, ok, le chemin dessous, c'était pour ça. Ok, donc tout ça, c'est fait. Ouais, on bourre, hein, des fois. Ça marche. Hein. Hop. Ouais, de toute façon, c'est un peu fait exprès. On chie, là, pour faire ça. Mais ça va, on a eu vu largement pire. Hein. C'était pas trop le plus dingue qu'on ait eu. Parce que là c'était juste avec du dash, je pense que c'est moins compliqué que les phases de plateforme avec le saut mural et l'enchaînement saut mural, plus dash machin. C'est plus calme ça. Donc c'est un nouveau charme. Alors ça fait quoi ça? Quand son porteur utilise Ruée de l'ombre, octroie une carapace aiguisée qui causera des dégâts aux ennemis. Transforme les ombres en armes mortelles. C'est bon. Ah, j'ai des dégâts dans ma... J'ai des dégâts dans mon dash. Je pense. Vous avez vu, ça fait un truc bizarre. Ça doit être des dégâts dans mon dash.
Bon, pour le moment, je peux le garder, ça. Parce que j'ai pas besoin spécialement d'argent. Donc attends, là, normalement, je dois avoir 25 charmes. 5, 10, 16, 20, 2 et 3, 25. Donc, on va retourner au tramway. Parce que le coléoptère le plus proche, ouais, c'est au tramway. Ouais, c'est ça, mon dash fait des dégâts maintenant. Non seulement il est invincible, mais en plus il fait des dégâts. Ça a l'air sympa, hein. Alors, on va un peu en rochier ici. Attends, je me souviens jamais où c'est. Droit devant. Ah non, attends, je crois que c'est là parce que... Je crois qu'il faut faire le tour par le haut, non? Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Ah non, ça a l'air d'être par là. Attends. Non? Ouais, si. Je vois pas comment t'es censé passer, là. Il y a un chemin que j'ai pas dû trouver, c'est bizarre. Je pense que je prends pas le bon chemin, là, pour y aller. Donc on va aller acheter un emplacement supplémentaire. Attends, sur ma carte. Si c'est là, ouais, c'est là, c'est là. C'est la bonne station. Je vais essayer de le taper, mais non. Je n'y arrive pas. Plus bas. Attends, merde, je sais plus où elle est, la vendeuse. Ah oui, si, route oubliée, et puis après, faut, ouais. Route oubliée, contaminée, machin, et en bas. Ouais, je crois qu'il faut que je fasse tac, tac, tac. Ok. Ah non, oh, je l'avais pas eu. Regardez, je regardais les pièces. Je l'ai pas du tout eu. Je sais pas où il faut. Hop. Il y a celui qui explose. Hop là.
Hop. Et ça, c'est quoi? Ouah, il y a encore un objet quand t'as 40 charmes. Ma bénédiction. Ceci est un objet très spécial pour ceux qui aiment les charmes autant que moi. Je te le vendrai avec plaisir. Eh ben, non. Ça, c'est pour les complétistes, ouais. Mais il y a l'air d'avoir énormément de choses à les récupérer après. Bah, entre eux, c'est ce qu'on disait, là. Entre déjà tous les... Mince. Mince. On va y arriver. Entre tous les trucs... qu'est-ce que je mets, là? Attends, je vais remettre ça. Regardez ça, là, pour le moment. Entre tous les boss qu'il y a, les trucs, les essences, les DLC, les... T'en finis plus, hein. Tu peux vraiment passer ta vie... Je sais plus ce que c'était la baraque, là. Ah si, c'est la sorcière. Elle sert plus à rien, là. Elle se tire dessus, là. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Je sais pas comment gérer le post-game dans le jeu, mais putain, t'as vraiment plein de trucs à faire. Ah ouais, tu peux y passer des heures et des heures. Facile. Hein. Je pense que largement une centaine d'heures. Sachant qu'en plus, le jeu a des trucs que tu peux pas... Enfin, il y a des trucs un peu secrets dans le jeu. Ah, j'ai pas réussi à dasher au bon moment. C'est moi ou... Attends, fais voir les charmes que j'ai. Capturam. Ah si, je l'ai. Je pensais que j'avais plus le charme qui permettait de charger un peu plus vite. Ah oui. J'avais pas vu que la... En fait, je croyais qu'elle était tombée au sol. Bah non, elle était restée. Elle était restée à côté de moi. Si un jour t'as moyen de rouvrir ça, j'imagine que oui. Écoutez, on va aller tâter le veilleur. On va aller se faire démonter par le veilleur. Ouais, il me manque un bout de masque aussi que j'ai pas trouvé. Des clés, je sais pas quoi elles servent. Là, j'ai un minerai pâle, mais il en faudrait deux autres. Donc ça, j'imagine que c'est en battant certains boss. Donc je pense... Ouais, je vais essayer via station de la reine. Mais elle a l'air d'être le mieux. Même si à chaque fois, putain, les veilleurs, c'est relou, ça fait quand même un sacré chemin. Enfin, c'est fait exprès, hein. C'est malheureusement fait exprès. Non, je crois que c'était par le haut. Ouais, non, là, c'est la banque. J'ai jamais remis la main sur la banquière, moi. Merde.
Oh, encore? Ouais, oh, ouais, en fait, ça va. Ça va, je pensais que c'était un passage plus chiant pour y aller. Là, il y avait rien. Je crois que j'avais été voir... Ouais, non, là, ça amène à un autre endroit. Bon. Allez, on va voir à quoi ça ressemble, la veilleur. Archive de l'érudite. Attends, sachant que c'est le bordel ici. Ah, il y a un banc à côté. Ah, ils sont moins putes que ce que j'aurais cru. Ouais, il n'y est pas encore, hein. Ah oui, parce que t'es pas censé... tu peux arriver ici sans peut-être avoir la résistance à l'acide, ouais. Donc c'est pas là que tu récupères. Merde. Ah oui, c'était pas fait exprès, c'est mon poison qui l'a tué. Je pensais pas qu'en descendant du mur, j'arriverais à le tuer, en fait. Bah si. Ah, je peux pas sauter sur ça, d'accord. Voilà. Quand est-ce que cet endroit? Enfin, c'est le dessous. C'est là-dedans qu'on affronte le boss, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, déjà je peux pas toucher. Ouais, ah oui, puis on voit rien. Quand je touche le machin... Je comprends rien, je vais au boss. Qu'est-ce que c'est ça? Il vient d'où lui? Il l'a raté. Bien. Je suis coincé, je me suis fait corner block, je peux rien faire. Mais le truc qui apparaît directement et qui s'allume... Ouais, je peux rien faire. Il apparaît directement, il a une... Je peux rien faire. Ouais, ok. Non, ça par contre... Ils ont toujours les réglages merdiques du jeu. Les trucs qui t'apparaissent directement dessus, tu peux pas les éviter. T'es pas bien placé initialement. Ah, tu peux rien faire. Et le truc où il apparaît, tu peux pas savoir. Ah, c'est très très mal fait, ça. En jeu. Ah, j'ai voulu le taper. Ah putain. Ah, mais je sais pas où ça apparaît. C'est bien gentil le jeu, mais je peux pas le deviner. Encore une fois, un ennemi que je ne vois pas parce que l'écran me permet pas de le voir. Ça paraît trop vite.
Ah ouais, il y en a deux qui apparaissent au même endroit, t'es sérieux? Est-ce que c'est mal réglé? Ah ouais, il apparaît sur moi, je peux pas le savoir. Ah ouais, je peux rien faire. J'aime bien quand il... Ouais, j'adore quand il me dégage la gueule parce qu'ils apparaissent tous sur moi. Ouais, sauf que je peux pas le savoir. C'est très mal fait. Ouais. J'arrêterai pas de le dire, hein. Il manque un an de développement à ce jeu. Tous les patterns sont pétés des boss. Parce que c'est pas... Ils prennent pas le temps de faire les trucs bien, en fait. C'est du devin. Par contre, il doit avoir un chemin un peu mieux pour aller au boss. Qu'est-ce que c'est mal réglé, hein. C'est vraiment des problèmes de réglage, hein. Ils se rendent pas compte. Est-ce que je peux pas y aller par là? Ah, merde, merde, merde. Ah, je peux rien faire avec ça, putain. Qu'est-ce que c'est ça aussi, qu'est-ce que c'est mal réglé. Le homing est très très mal réglé. C'est vraiment le problème du jeu. Notamment 3 ans de développement minimum. Ils comprennent pas que tu peux pas régler... Ah putain, je me prends tout dans la gueule. Comprennent pas en fait comment faut régler ces jeux en fait, parce qu'ils sont inexpérimentés en fait, ils n'y ont jamais joué. Ils comprennent pas qu'en fait ça se règle, tous ces trucs. Pas genre tu les laisses comme ça. Par contre, faudrait que je trouve un meilleur chemin pour aller au boss. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, les phases de plateforme qui n'ont pas été réglées correctement. Ouais, je peux pas y aller parce que ça a pas été designé correctement. Tu peux y aller que dans un sens. Qu'est-ce que c'est ce machin? Troisième œuf, absence extérieure, coquille, lumière. Ah, c'est des indices retirés. Contient lumière, donc ressent contient, ok. Ouais, faut juste avoir encore un peu de chance, quoi. C'est pas un boss qui... Alors, c'est pas un boss qui a l'air super difficile, mais le problème, encore une fois, c'est que tu ne vois rien. Il est activé, là? Ça apparaît trop tard. Vous voyez, c'est très très mal designé. Voilà, je peux pas l'éviter en fait. C'est très... Ouais, je peux pas. Ça apparaît... En fait, ça apparaît immédiatement et ça spawn. Je peux strictement rien faire. Voilà, c'est très très mal réglé. C'est vraiment le problème de jeu, c'est les réglages. Ils savent absolument pas régler un jeu vidéo en fait. On leur a pas expliqué comment ça se réglait les jeux. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un, il me suit. Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux patterns différents. Il y en a un, il me suit et pas l'autre. Elle est partie en l'air. Pas de chance. Ah, ça, c'est celui qui me suit. C'est quoi, c'est celui qui me suit là? Ouais, ça va être celui qui me suit, je pense. Là, c'est le fixe. Ah bah, pas de chance. Il apparaît, je peux pas deviner, il apparaît pile poil quand j'arrive. Là, ça va être celui... Ah non, c'est le fixe. Ok. Là, celui qui me suit.
Ah, j'aurais peut-être presque pu en mettre un quatrième. X, celui qui me suit, je ne sais pas. Celui qui me suit, je dirais. Ouais. Ah, c'est encore celui qui me suit. Y'a pas de règle. Et je peux pas savoir. C'est tout ? Il était ridicule ce boss. J'étais pas du tout censé l'affronter maintenant. C'était beaucoup plus tôt que j'étais censé l'affronter. C'était ridicule. Ouais, le seul truc en fait c'est de savoir si ça apparaît ou ça apparaît pas, mais en fait c'est très très dur. Non, il n'y a pas de P2 en fait, il a qu'une P1. Mais après ce boss est accessible très tôt, je pense que j'aurais dû le faire depuis un vrai moment. Il est vraiment pas dur celui-là en effet. Parce que en fait il est accès assez tôt dans la... Je pense que c'est le premier veilleur... Rêveur, pardon, je dis veilleur, excuse-moi. Le premier rêveur auquel on est accès. Mais par contre, c'est qui le PNJ qui vient nous aider? J'arrive plus à me souvenir qui c'est. Mais la grosse difficulté, c'est de savoir si c'est le pattern qui te suit ou le pattern qui te suit pas. Alors le pattern... En fait, le problème, là où je trouve que c'est pas super, c'est que quand c'est le pattern qui te suit, bah c'est trop tard en fait. Tu peux pas le savoir parce que autant quand c'est le pattern... Réservoir rempli de Lumaflis chargé. Ouais. Et du coup... Trop bien. Et le truc, c'est que le temps que tu t'en aperçoives, bah tu peux pas en fait. C'est déjà trop tard. Ce qui est ce que je trouve toujours problématique dans le jeu, quoi. C'est vraiment bizarrement réglé. Donc à la limite, quand c'est ceux qui spawnent à des endroits fixes, t'as le temps de... T'as le temps de te placer, et encore, ça va dépendre où t'es dans la salle. C'est tout ce qu'il y a dans cette salle? Mais quand c'est celui qui te suit, bah le temps que tu saches qui te suit, c'est trop tard. Ouais, visiblement, je refais un tour de propriétaire, mais y'a rien d'autre. Ah, attends. Là, y'a rien. Non. Ouais, là non plus y'a rien. Là, j'ai fait. Bon. Du coup, il fallait lire l'indice, la salle, en fait, j'imagine. C'est parce que ça, ça a été sauvegardé. Donc, je pense que c'était important, ça. Bon, de toute façon, le but, c'est de battre les trois rêveurs. Et puis après... Bon, vous savez, hein, c'est pas un surprise, ce sera pas une surprise, hein. Le boss de fin, c'est l'Hollow Knight. Hein. On a compris ça depuis qu'on a trouvé la statue, hein, c'est-à-dire au début du jeu. C'est pas très fin. Bon, après, par contre, il doit y avoir des conditions d'accession, d'accessibilité aux différentes fins. Bon, ça, on s'en fout un peu. On aura la fin qu'on mérite, c'est-à-dire une fin de merde. Bon, alors, attends. Ah oui, t'as pas de map de l'endroit, par contre. On ne sait jamais par où il vaut mieux remonter. Non, par ici je peux pas, hein. J'ai déjà essayé, ouais, c'est fait exprès pour que tu puisses... Ah, si, mais alors avec un mouvement zarbi. On va dire que tu peux, mais c'est un peu tricky. Alors attends, lui, il faudrait pas que je le tue. Passer le long du mur. Hop. Tac. Voilà, et là, on arrive... C'est perturbant, là, ces trucs. Je crois que toujours que c'est des plateformes, ça n'en est absolument pas. Ok. Parce que on a récupéré quelque chose, rien du tout, en fait. Ah, ça, peut-être une info... Donc, d'accord, les ennemis qu'on rencontrait, c'était ces rejetons, là, lui.
Attends, c'était quoi la trappe là? J'y étais là-dedans? Ah mais je peux pas y aller, d'accord, c'est pas un... Ok, c'est pas un truc où je peux me rendre. Ok. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Donc nous, on redescend. C'est où? Attends, où je suis là? Tac, tac, tac. Ouais, on descend station de la reine. Et ensuite... Ah c'est vrai qu'il a il y a un coléoptère juste à côté du temple. Bon, on peut aller faire celui-là. Alors attends, je crois que je suis arrivé par là. Ah oui putain, il y a le vert que j'arrive pas à savoir où il est. Je l'entends et je n'ai aucune idée d'où il est. Il est loin en plus hein, quand t'es là. Je peux pas monter après ça, hein, j'avais déjà essayé. Ah, attends, il y a un truc que j'ai pas essayé par contre. Là, je me mets là et je dash. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, GG. La réflexion d'un homme. Non, pas là. Ne pas tuer les grosses méduses, bordel. Elles sont redoutables. En plus, je crois que ça te fait deux de dégâts à chaque fois que tu prends un hit, là, par ces grosses merdes. Non, hop. Nous, on va pas chez... la vendeuse. Chez la banquière qui s'est barrée, qui était une arnaqueuse. Alors attends, comment elle s'appelle? C'est la tanière en coléoptère, non? Je pense. Ah oui, il n'y a pas de banc. J'ai pas de carte pour cette zone. Où je suis? Merde, je me bouge, je suis. Non, je suis pas au bon endroit là. Merde, où est mon perso? Alors attends, il doit être en dehors de la map vu que j'ai pas de carte. Attendez, si quelqu'un voit mon perso, est-ce que je l'ai perdu de vue là? Ah mais j'ai peut-être enlevé le truc de la boussole, il me semble pas, mais... Non, j'ai la boussole. Ah oui, mais c'est volontaire ici, je dois être au-dessus, mais donc c'est pas là que je voulais aller, ouais, je dois être au-dessus du... Ça doit s'activer un moment, mais je sais pas comment. Ouais, je vais... j'avais été voir, là, je crois qu'il y a rien. Ouais, j'avais déjà été voir, ça. Attends, merde, par contre, je suis... Bon, attends, je vais revenir au coléoptère, c'est plus facile. Hop. Je sais pas comment ça s'alimente, ce truc, là. Ah bah c'est village lointain, tout simplement. C'est écrit dessus. Ah, il n'y a pas de banc. Bon, il doit y avoir un banc à l'intérieur de l'endroit du veilleur, j'imagine. Alors attends, comment j'y vais par contre? Question. Je crois que c'est juste un temple en plein milieu. Ouais c'est ça, c'est un temple en plein milieu. Merde.
je vois des gens, je tape. Hein. Salutations, vous êtes très fatigué, asseyez-vous et reposez-vous. Nous sommes amis, bienvenue, asseyez-vous, reposez-vous. C'est marrant, je les sens pas, eux. Veuillez vous asseoir et vous reposer, ça pue. Hein. C'est chaud et sans danger. Ouais, mon cul, ouais. Vous avez besoin de repos. Bon, faites le décès. Hein. Ah oui, je peux pas descendre du banc. J'imagine que ça va me transporter ailleurs. Une tape. Aïe. J'ai mal. Ah oui. Ah bon, on est bien là. L'antre de la bête. Putain, mais c'est encore une araignée? J'en ai marre des mondes où il n'y a que des araignées, moi. Et attends. Ah non, d'accord. Mais ça ressemble vachement au niveau... Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces ennemis, je sais même pas en combien de coups je les tue. Examiner. Soda l'honnête. À nos ennemis là, préférés. Ah oui, parce que tu peux les taper qu'à la fin de l'animation là en plus. Oh là. Ah ouais, puis alors le dernier coup, j'arrive pas. Hein. Ah putain, à chaque fois il y a un dernier coup, j'arrive pas à le voir. Ah, j'ai pas la strat encore sur eux. Charger un petit quelque chose. Et c'est ça. Ah merde, arrêtez de me donner du pognon, j'en ai rien à foutre. Ouais, en plus je pense que je suis obligé de le dégommer lui. Putain, ouais, je suis obligé de dasher en plus. Ah, je l'ai touché. Je les connais vraiment pas, ces ennemis là. J'en ai très peu rencontré. Enfin, j'en ai rencontré un ou deux jusqu'ici. J'ai vraiment du mal. En plus, ils ont mis des petits ennemis qui chargent que dalle. Si c'est un nouveau chemin là. Non, c'est là où j'étais tout à l'heure, ok. Oh là. J'ai vu des pics partout. Mais je crois qu'il faut deux coups ouais, pour le toucher, mais c'est ça. Il y a un œuf France là, non? J'entends un bruit. Ah, évidemment. Il y a un œuf France, mais je sais pas où. Oh, t'es sérieux? Belle.
Petit verre. Putain, il est sur le chemin en plus. Marrant ça qu'il l'ait mis là. Qu'il l'ait mis là. Ah, lui aussi il est sur le chemin. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est du pognon. D'accord, ça s'ouvre par au-dessus. Hein? GG. Si je lui fais pas de dégâts quand je fais ça, mais... Oh putain, il a... Arrête de bourrer, gros. Il avait traversé, il bourrait. Putain, attends, il y a pas de banc en plus pour aller à lui, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça c'est le passage par-dessus. Oh, cette horreur là. Eh ben, on va pas être bien, hein. Allez, allons souffrir. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est... Rêveur endormi est entendu sur... est étendu sur le socle en pierre. Je peux réveiller, moi. Examine. Examine. Oh là là. Oh là là. J'y vais. Il me parle pas. Il est pas actif. J'ai pas envie de le taper, hein. Il est pas inoffensif. J'ai pas envie de le taper, je me... Merde. Je me casse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mysticisme? Bon, j'imagine qu'il faut le taper avec l'épée des rêves, non? Ça me fait chier, j'ai pas envie de le taper, moi. What? Ouais, je pense que ça lui fait rien, ça. Lié pour la couvée pour enfant. Échange honnête. Tout donner. Pour elle. Pour elle. Lisez vos verres. Ah, parce que je peux pas sauter quand je fais ça, là. Merde. Alors, attends. Ouais. Qu'est-ce que... Bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que... Je peux... Est-ce que je peux vous aider? C'est pourquoi là, quand j'ai tapé, il se passe des trucs. Maintenir pour canaliser.
Je suis où là? Attends, mais pourquoi ça m'a pas fait ça pour l'autre tout à l'heure? Il y a un truc que j'ai raté? Ah, alors que revois la Hornette. Tu as tué la bête, tu avances vers cette destinée inévitable. Normalement, je n'aurais pas tenté d'empêcher que tout cela se produise, mais cela me fait souffrir de rester sans rien faire en toute connaissance de cause. Tu t'imagines que je suis sans cœur, mais je ne suis pas complètement dépourvu de sentiments. Nous ne choisissons pas nos mères ni les circonstances dans lesquelles nous sommes nés. Malgré tous les maux de ce monde, je suis reconnaissant de la vie qu'elle m'a donnée. C'est une dette importante que je lui dois, c'est en lui permettant de s'éteindre et en prenant le fardeau de l'avenir à sa place que je pourrai commencer à rembourser ma dette. Sauve-toi, fantôme, accorde-moi un moment de solitude avant que cette chambre ne devienne un sanctuaire pour toujours. C'était sa mère? Je comprends rien. Je suis désolé, mais je comprends rien. Hey, salut Slane, comment vas-tu? Alors, si tu comptes faire le jeu un jour, mets-toi en audio only, hein. Parce que là, bon... attends, comment je sors de ce... Enfin là, ça va plus trop spoiler, mais... t'es arrivé sur potentiellement du spoil. Comme je sais que tu comptes faire le jeu... Ouais, parce que là même on est dans une zone assez avancée, donc si tu veux pas trop voir... Ça se casse la gueule, j'ai compris. Par contre, je sais plus du tout par où je suis venu, donc... Ah oui, si, je suis venu par là, ça me dit quelque chose, ça, les pics, machin... Bon, quand t'es arrivé juste après le spoil, hein, parce que... Merde! Merde, faut s'y taper de dos maintenant? Ouais, j'imagine qu'il peut, attaquer à travers ça en plus. Non, ça passe pas son attaque à travers. Avoir un truc pour les battre, mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Déjà, il faudrait que j'arrive à pas le toucher sur ce carapace. Ah, je l'ai tué avec mon poison, là. Alors, attends, par contre, ouais, j'ai dû passer par en dessous. Attends, fais-moi. Je sais même pas s'il faut que je revienne en arrière, si... Ah ouais, non, parce que je me suis libéré d'ici. Je sais même pas comment je sors de ce merdier, en fait. Il devait avoir... En fait, j'aurais peut-être pas dû revenir en arrière, hein. C'est une connerie, faut que je reparte dans l'autre sens. Et là, c'est d'où je viens. Comment je sors? Non, là, c'est un cul-de-sac, il me semble. Merde. Il voyait pas d'où j'étais. Non, pas les pics. Là, je suis complètement paumé. Ou alors, il y avait un truc vers Hornet et j'ai pas vu pour sortir. Tout simplement. Peut-être que je suis parti un peu vite et que c'était là où j'étais. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Slane? Attends, essaye de pas tomber quand même. Ouais, là c'était le vert. Y'a pas un truc pour sortir là derrière que j'aurais raté? Pas tangible ça.
Comment je fais pour sortir de ça? Attends, moi je suis arrivé par ce côté, après... J'ai libéré ce côté, mais j'ai rien vu. Meurs caché. Réveil tardif. Cerveau en vrac. Alors, écoute, c'est pas que je veux pas me sauver, c'est que j'en ai aucune... Merde, j'en ai aucune idée de comment je fais. Ah, parce que la logique, c'est que je parte par là, après, mais ça me fait revenir au point d'où j'étais. Comme j'ai pas de map de l'endroit... Ah oui, donc j'ai raté quelque chose hein, avec le précédent veilleur, rêveur. Hein. Ok, il faut que j'y retourne. Hein. Un truc qui m'a échappé, là. Parce qu'en effet, il a pas disparu, donc j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas dû faire. J'ai pas dû le trouver, en fait. Il doit être quelque part, j'imagine. Là. Comment je sors de cet enfer ? Voir un chemin que j'ai pas trouvé, mais alors... Ouais, ça c'est du pognon. Ah, mais là je reviens au début, hein. Je ne sais pas comment on sort de ce truc. Ah, j'ai essayé de le... Je voulais essayer de le parier, mais ça a pas marché. Ouais, oh là là, c'est... Oui. Bon, de toute façon, à mon avis, c'est pas là la suite. Ah oui, si, tu peux lui mettre un coup. J'ai capté. Tu peux lui mettre un coup quand il ouvre la carapace. J'ai pas fait attention. Ouais, un truc pour recharger. Bon, j'y avais pas été ici. Ah, c'est ça la strat, c'est que tu peux mettre un petit coup... Quand il ouvre la carapace au début, après tu dashes. Ça, t'es tranquille. Ouais, c'est... j'ai enfin capté comment marche cet ennemi. Bon, par contre, je ne sais pas comment marche ce niveau. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, là, j'y suis passé... Là, c'était le début où je suis arrivé, mais j'arrive pas à trouver une sortie. Il faudrait... Est-ce que... Donc ici, j'étais emprisonné. Merde. Bon, si des fois quelqu'un sait, hein, n'hésitez pas, parce que là, là, visiblement, ça a l'air d'être tout con, mais je vois pas. Me dites pas qu'il faut que je tape hornette quand même. Ah parce que là j'ai refait la salle et je vois pas ce que j'ai laissé. Ah ils avaient mis un truc pour t'empêcher de passer par là. C'est là où il y a été le verre, et puis là je vais retourner. Bon, là j'avais été voir. Non, trop tôt. Là. Pourquoi d'ailleurs il y a certains ennemis qui réapparaissent et pas d'autres.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est pas que je veux pas me sauver, hein, mais je sais pas comment on fait. Mère, pardonnez mon inaction, mais il existe peut-être une autre voie. Bah, je vois pas. Alors là, si je comprends pas ce que je vois pas dans ce niveau, il y a un truc que je vois pas, mais je vois pas ce que c'est. Comment je suis censé sortir de ça? Elle me dit de sortir, mais ça fait 2-3 fois que je fais le tour et je vois pas de nouvelle issue, donc je... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, quand même pas être obligé d'aller voir une soluce. Ben, je peux pas y accéder au-dessus, j'ai essayé, mais je peux pas y aller. Si, si, j'ai bien... Regarde, tu vois, je peux pas y aller. L'antre de la bête. Alors à moins que je puisse casser ça, mais comment? Faut le toucher déjà. Il me manque un truc ou quoi là? Attends, peut-être avec le mur? Voilà, ça va pas te spoiler grand chose, Slane, hein, honnêtement. Ah! Attends, je crois que j'ai réussi à le toucher. Attends, fais voir. Non? J'avais pas réussi à le toucher? Je sais pas en faisant quoi. Merde, comment j'ai fait mon compte? Comment j'ai réussi à aller aussi haut, là? Ah, déjà, je sais même pas comment j'ai fait. Tout va bien. Ah oui, si, c'est le dash qui est placé au bon moment. Oh non, là, trop bas. Non, là j'ai mal rebondi. Il y a genre un ennemi invisible? Ah bon? Non. Ah, tu te questionnes. Non, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de combat. J'ai essayé de taper Hornet. Rien. Je sais pas. Déjà, j'ai même pas compris ce qu'on foutait là. Enfin, ce qu'on foutait, alors c'est pour te dire. Non, le seul truc, c'est qu'après, t'ouvres un passage ici. Mais j'ai beau suivre ce passage ici et retourner au début, y a rien d'ouvert. Mais je pense que c'est un chemin que j'ai pas trouvé, hein. Quoi que ça. Au début, je pensais aussi que c'était par là. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que ça pourrait se casser le truc qui est au-dessus. Mais je vois pas avec quoi. Parce que, attends. Ouais, j'ai pas le pouvoir en plus, là. Ou alors, il faut que je charge et que je balance le pouvoir qui part vers le haut, là. Ah putain, attends. Faut que je trouve des ennemis pour ça. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les ennemis respawnent à certains endroits. Mais pas tous. Alors, c'est pareil, j'ai pas compris. Non, attends, j'ai bien trouvé un ennemi qui traîne. J'en avais tout à l'heure, là. Cet endroit, j'avais pas trouvé, tiens. Ou alors, c'est tout simplement un tunnel que j'ai pas trouvé. Hein. Il est bien caché. Peut-être juste ça. Hein. Là, ça semble. Ah, un ennemi. Très bien. J'essaie de charger sur lui. Oh là, je suis en retard. Attendez, c'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Ça ressemble à un boss là. Non? J'en fous de ça là. Il y a un pic dessus là, non? Qu'est-ce que...
Ça doit bien servir à quelque chose, ce machin, là. Je vais couper ça, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se casse, peut-être? Qu'est-ce que c'est que... Pourtant, on dirait qu'il y a un... À peine fini d'arriver, on fait que je repars. Bon courage. On dirait que ça... On dirait que je pourrais le... Attends. Non plus. Bon. Bon bah si tu vois que la vidéo, mon pote, tu vois pas grand-chose. Mais en même temps, tu rates pas grand-chose, hein, parce que là, on est actuellement bloqué, on sait pas ce qu'il faut faire de ça, là. Ça peut bien servir à quelque chose, mais... qu'est-ce que j'ai comme pouvoir Qu'est-ce que c'est que cette connerie? T'es obligé d'avoir une solution, c'est pas possible. Tu vas me dire que ça sert à rien ce machin là. Je vois pas trop... L'antre de la bête. Non mais je peux pas monter dessus, hein. C'est pas ton... Enfin c'est tangible, je peux taper dessus, mais attends, moins que... Ouais mais non, je peux pas. Ouais, après, dès que je le touche... Bon bah ça doit être juste décoratif, mais c'est bizarre quand même. Mais bon, ça se trouve, c'est ça, hein. C'est un couloir que j'ai pas vu. Hein. Il y a l'air d'en avoir pas mal des petits couloirs cachés dans cet endroit. Non, je peux pas le toucher. Hein. J'ai essayé avec le pouvoir. Merde, GG. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, c'est bizarre quand même, j'ai pas affronté de boss en plus. Ouais, ouais, je veux bien un début de piste parce que là, je vois pas. Je vois vraiment pas... D'accord, donc c'est une sortie qu'il faut que je trouve et que j'ai pas trouvé, dac. C'est juste que j'arrive pas à mettre la main dessus, y'a pas un truc particulier à faire. Ok, bon bah écoute, c'est parti. Hein. Parce que je suis revenu là où j'étais, mais... Attends, mais c'est quoi cet endroit? Ah ouais, attends, déjà j'ai trouvé un banc. Ce qu'il sait, j'avais pas trouvé le banc. Ah! Il doit être là, le boss. Bah, il suffit que tu me dises la sortie en bas, j'ai trouvé ça complètement au pif. Je ne sais pas par où je suis passé, non? Attends, mais c'est... je suis jamais repassé par là, comment? Putain, c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai bricolé pour ne pas trouver ça? Mais attends, il y a... Bon, d'accord, il y a rien d'autre à faire. Bon. J'ai rien compris, hein, mais c'est pas grave. Parce que je suis redescendu ici, mais j'ai pas trouvé sans doute le petit couloir. J'ai dû passer je sais pas combien de fois à côté, je l'ai jamais vu. Bon. Mais alors attends, ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas fait là, faut que je retourne... il faut que je retourne là, là il y a un truc que j'ai pas trouvé ici en fait. Ah, il faudra retourner à cette salle avec un pouvoir. Ok, non mais déjà moi j'essaye d'éteindre les rêveurs là. Donc attends, par contre, là, il faut que j'y retourne, il y a un truc que j'ai pas fait, hein. C'est pas normal que le rêveur, il soit toujours là, hein. Bon, allez, on est reparti. Station de la reine.
Il y a un truc que j'ai dû rater en fait dans la salle d'avant. Pourtant, pareil, j'ai refait le tour et je me suis dit c'est bizarre. Ah bah dis donc, si en plus la fin du jeu est un peu énigmatique, enfin énigmatique dans le sens où je sais pas ce que je fais. Parce que le truc, c'est pourquoi le rêveur précédent n'a pas été libéré? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a un truc que j'ai pas dû faire. Ah, parce que le mec qui est venu m'aider, c'est celui qui était à l'entrée du temple. Ouais, bah dis donc. On galère, hein. Merde, 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 merde. C'est bon. Ouais, du coup, lui, il s'est barré parce qu'il est venu nous aider, mais j'ai dû rater un truc là-dedans, en fait. Un truc que j'ai dû rater, en fait. C'est bizarre, je suis jamais tombé sur le... Le rêveur. Ou alors, c'est peut-être normal, ça se déclenche plus tard. Je... Mais c'est vrai que c'est Zarbi, hein. Je tue. Ah, trop tôt. Ouais, non, mais là, c'est le même de l'autre côté. J'ai déjà été y voir 1000 fois, ça. Ou alors c'est peut-être normal, c'est peut-être plus tard que ça se débloque, ça j'ai été le voir. Ouais, parce que je vérifie quand même que j'ai rien oublié, mais c'est... Bon, après j'irai voir l'autre zone. Hein. Parce que lui c'est bizarre, il y avait juste une sorte d'archive, mais j'ai mis la main sur rien d'autre. Alors il y a une énigme à... Libère-moi en croissance, dans nature afflue toute chose, ancienne lumière, essence, rêve, non-croissant, fin des pensées, lumière, ancienne lumière, parenté, rêve non contenu, troisième non-croissant, fin de vie, que je crois. Hein. Lumière, tu es ma lumière. Ouais, ouais, le... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Putain, mais... J'ai un problème d'exploration ce matin, hein. Quelque chose brille dans le réservoir. Ah! Bonjour, monsieur. As-tu ressenti son appel toi aussi? Je réalise que ce n'est pas par hasard si nous arrivons ensemble. Je me souviens de cet endroit, bien que la plus grande partie de ma mémoire ait disparu. Dans ses chambres de stase, l'érudite entreposait toutes les connaissances du royaume avant d'entreposer son propre esprit en son centre. Pour sauver Aloneste, l'érudite est volontairement devenue un sot, mais elle s'est entourée d'une protection supplémentaire. Bien que je ne possède aucun souvenir sur ce qu'il s'est produit, je sais que j'ai joué un rôle dans l'accomplissement de cet exploit. Elle m'a guidé jusqu'à elle, ici et maintenant, pour inverser cette protection. Tout cela pour pouvoir te venir en aide. Ouais, c'est un masque qu'il a. Ah, elle est stylée. Il est en train de décéder, lui, non? N'hésite pas, c'était son choix de reprendre forme, pas le mien. Elle sait que tu as l'intention de faire et semble s'en réjouir. Ok, attends, comment je fais là? Examiner. Rêve endormi dans le réservoir.
Alors faut que je descende peut-être. C'est pas là. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'absorbe comme tout à l'heure? Non. Coup d'épée des rêves? Ah. Ah oui, ça fait la même chose que tout à l'heure. Nice, tac. Là, elle va apparaître. Et du coup... Non. Comment faut que je fasse? Faut que je tape déjà pour avoir son dialogue. Pour la diversité, je reconnais ce discours. Hein. Moi aussi, j'ai suivi les législatives. Un sceau. Les sceaux doivent se briser. Un monde immuable pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et après, je canalise. Là, deuxième rêveur. C'est fait. Voilà. Mieux. On n'est jamais bien après, hein. Soirée qui s'est pas très bien passée. Le coma bien présent. La madame a rendu son dernier souffle et maintenant son sceau se brise. Tu tentes une chose difficile, mais j'ai vu de près tes prouesses et elle aussi t'en croit capable. Mets-toi en chemin et permets-moi de me reposer un moment. Après avec cet acte accompli, je commence à sentir mon âge. Comment il s'appelait lui déjà? Merde, il n'en remet pas son nom. Bon, dommage. Tout le monde est en train de claquer, c'est la joie. Ouais, alors je sais pas comment... Ah ouais, j'avais dû passer en fait à fond au-dessus, et là j'ai jamais pensé, je suis jamais pensé à sauter en fait. J'ai jamais pensé à sauter, je pense. Ah parce que j'ai fait le tour, hein. Et c'est marrant parce que je disais, il est bizarre cet endroit. Ouais, c'est ça, j'ai sauté dans le truc d'à côté. Ça, ça a fait toujours rien là, le... Non, c'est juste une réserve. Bon. Ça c'est fait. Alors attends, par contre, je sais plus par où... ouais, attends, je crois que l'autre côté, c'est plus simple. Pour remonter. Non, pas par là. Ah bah en même temps, j'ai pas trop voir le... Ah si, ça passe. Hop. Hop. Je crois que c'est par là. Ouais, si, si, si. Ok. Et là, il y a le banc, c'est ça. Merde, j'ai raté mon saut. Ok, donc ça, c'est bon. Allez, cassos d'ici. Et donc maintenant, direction... direction... alors je sais plus comment ça s'appelle, mais... observatoire, quoi. Mais alors, les rêveurs, c'est pas forcément toujours des boss à affronter, ou alors des fois, tu les as déjà affrontés, en fait. Bizarre. Oula, je sais pas comment je suis passé à travers. Moi, je pensais que c'était obligatoirement des ennemis, en fait. Enfin, des boss. Alors, dans le truc d'avant, en effet, il y en avait un, mais là, il n'y en avait pas. Ok. Ou alors, c'était un autre boss... qui expliquerait qu'avant l'observatoire, il y a un boss, quoi. Alors, attends. Le mieux pour y aller, c'est... C'est l'hymen, évidemment. Alors, attends.
Ah oui, à Station du Roi. Non, Cité des Larmes. Cité des Larmes, parce qu'il y a des bancs sur le passage. Comme ça, tu passes par les bancs, t'es tranquille. Allez. Je suis pas retourné à Dirtmouth, tiens, un petit passage à Dirtmouth pour voir si quelque chose a changé, je pense pas, mais... À mon avis, déjà, tant que t'as pas réveillé les rêveurs, tous les rêveurs. C'est moi où il y a l'orage qui s'approche, là. J'entends des bruits louches. T'as rien à me dire, toi? Sais-tu quelque chose? Il y a soudainement... Non, pff, il y a rien. L'ancien, il... Pff, vénérable du sommet, il sait rien. Ah! Tiens, lui, il a plié bagages et il a ouvert une succursale. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 30 ici? Ah mais putain, moi je fais partie des gens chanceux alors. Qu'est-ce que... C'est un boss? Un autre est prêt à rejoindre notre groupe. J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant qu'en maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. Tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples. Ah, c'est uniquement quand elle est trois arts. Ce faisant, la tradition décrète que tu peux toi aussi porter la marque de maître. Porte-la fièrement, maître d'aiguillon, car tu seras à jamais le dernier à la recevoir. C'est quoi, c'est un charme? Oui, c'est un charme. Un charme contenant la passion. Ah, je connais ça. Je connais. Mais alors, c'est marrant parce que, en règle générale, on l'écrit comme ça. Merde. Qu'est-ce que j'ai activé? C'est comme ça, normalement, passion. J'ai mal à la reconnaître, là. Le talent et le regret d'un maître d'aiguillon augmentent la maîtrise des arts de l'aiguillon, permettant de canaliser, de libérer leur puissance plus rapidement. Ok. D'accord, il donne un charme. Bah écoute, moi je prends. Hein. Donc ça c'est parce que j'ai débloqué les trois. Hein. Il nous demande pas d'argent alors que lui... Et puis je pense qu'il faut peut-être... Je sais pas, j'imagine aussi qu'il faut avoir débloqué la... La boutique secrète... Enfin, secrète. Sa deuxième boutique, en fait, peut-être pour y avoir accès. Pourquoi ma carte s'est mise à jour? Est-ce que ça a dessiné un truc sur mon... J'ai amélioré la carte quelque part. Ah, peut-être que ça fait le point sur les rêveurs. Oh, cornifère, il est rentré. Cornifère, il est rentré. Par contre, on peut pas lui parler. Fais chier. Ouais, et puis là, c'est le... Ouais, bon, là, y'a rien de plus. Ok. Je me dis qu'il dit toujours la même chose, lui. Bon, allez, bon, on est parti. Donc, Cité des Larmes. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, faut descendre. Ensuite, là. Tac. Hop. Hop. Bonjour, monsieur. Au revoir. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Ah, il y a encore le décalage. Ah, attendez, j'arrive. Qu'est-ce que c'est relou, ça?
Ah mince, c'est pas ça. Hop, c'est mieux comme ça. Là, ça va peut-être aller mieux. S'il y a encore un décalage, par contre, ça doit venir de Twitch. Mais c'est possible, de temps en temps, il y a du décalage qui est généré, c'est... Je sais pas d'où ça vient. Bah non, non, mais c'est pas agréable pour vous s'il y a du décalage dans le jeu. C'est chiant, je sais pas pourquoi ça fait ça. Là, c'est encore pire ? Ah oui, alors là, par contre, ça vient de toi. C'est encore pire. Ou alors, il y a vraiment un problème, hein, si ça vient de moi. Parce que normalement, ça permet de solutionner le problème. Mais c'est vrai que ça arrive, des fois, il y a du décalage comme ça qui sort donc chez vous. Attends, faut que je le freine là parce qu'il y a un piège derrière. Ok, nickel. Ouais, des fois c'est... Des fois c'est Twitch. Des fois c'est moi. Mais c'est toujours bien de le signaler, c'est pas grave, hein, même si ça vient pas de moi. Ah, il faut que je monte, moi, qu'est-ce que je suis parti faire là? Ah, nos ennemis préférés. Toujours avec une hitbox extraordinaire. Attends, faut que j'aille au banc. Attends, lui c'est plus facile quand il est de ce côté. Hop, voilà. Seul moyen de que ces ennemis-là arrêtent de nous casser la tête, c'est de les attirer dans un couloir. Sinon ils sont vraiment pénibles pour rien, quoi. S'ils sont pets de couilles, ces ennemis volants, là. Hop. Allez, on est parti. Donc là, bon, normalement, quand vous allez ici, vous avez un boss, mais je l'ai déjà affronté. Je disais, ce boss, c'est clairement un DPS check pour être sûr que vous avez à peu près... Attends, j'essaie de l'attirer là, peut-être. Ah merde. Évidemment, quand je dis ça, il y a le gros qui arrive. J'aurais de mieux fait de l'attirer en haut. Hop. Et alors... Attends... Apparemment... Ah putain, je sais pas où c'est. Mais alors apparemment, l'histoire du lustre, là... C'est pas... Je risquais pas d'y arriver parce qu'en fait, c'est une zone à laquelle j'ai pas accédé. Attends, fais voir. Voilà. En fait, il y a une zone cachée ici. J'avais aucune chance. C'est pour ça que du coup, le lustre, je pouvais pas l'utiliser. Et après, vous faites ça. Et du coup, ça vous bloque... Un ennemi. Bon, voilà. Très bien. Ça, c'était pour le trivia. Donc, attends. Ouais. Mais en effet, elle est bien cachée, la zone. Hein. Je pense que beaucoup ont passé à côté sans le savoir. Là, t'as aucune chance. Vraiment du pur hasard, parce qu'en plus, il faut donner plusieurs coups. Donc c'est vrai que... Pouf. Pour notre roi bien-aimé. C'est pas ouf leur système où il faut taper plusieurs fois pour avoir le dialogue. Enfin, en fait, pour moi, t'aurais dû faire une fois un coup d'aiguillon des rêves, et après tu fais défiler le dialogue. C'est vraiment pas super intéressant. Les liens doivent se briser. Doivent subsister, pardon. Ok.
Et voilà, troisième rêveur. Libellation. Hey, personne qui vient nous raconter sa vie là. Ok. Ça a changé quelque chose, hein? Non. Gotham City, toujours pareil. Ok. Attends, je suis passé au bon endroit, vous? Ah oui. La petite save. Non, faut que je prenne l'ascenseur. Je viens dans le couloir. Même dans le couloir, il est relou. Hein. Attends. Non, je vais passer par là. En plus, c'est chiant parce qu'il manque un fragment de masque. Hein. C'est clair que je dois avoir une vie supérieure, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Hein. J'ai bien galéré à mon avis pour le dernier boss. Hein. Enfin, le dernier boss. J'imagine que, bon, là on s'y dirige quand même, mais ouais. J'ai pas réussi à mettre la main dessus parce que, enfin, c'est sûr, il y a plusieurs fragments, mais là, moi, il m'en manque un seul, quoi. Enfin, peut-être le coup que je regarde. Hein. Il est pas mort, là. Il s'est pas planté dans les... Hey mon gars! Ouais, avec ton IA extraordinaire. Oh là là. Catastrophique, hein, ce tir. Ouais. Il me voit, mais il me voit pas. Enfin, c'est vraiment... Je sais pas où il est. Allez mon gars! Allez, sors ton trou! Oh putain, quelle IA de merde! Ça, c'est vraiment... Ça te sort complètement du titre de voir un truc comme ça, quoi. C'est vraiment pas digne, hein, d'avoir laissé ça dans un état comme ça. Allez, hop, nous on se casse. Bon, donc grosso modo, maintenant ça se passe là. Alors je sais même pas comment j'y accède, hein, au bousin là. Parce que je sais pas ce qu'ils m'ont laissé d'ouvert pour y aller au temple de l'œuf noir. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui sait où on récupère un bout de masque, j'aurais pas été contre. Parce que je pense qu'une vie supplémentaire sera pas de trop.
Parce que là... je sais même pas... Alors, j'imagine qu'on peut y aller par Dortmouth. Je pense que je vais checker vite fait, de toute façon maintenant je peux plus me spoiler grand chose. Regardez si je trouve un truc. Alors... C'est la première fois que je regarde des trucs sur The Night, en plus. Alors, attendez. Je cherche visiblement non. Alors, de ce que je vois, c'est des side quests. Apparemment, je sais pas si je l'ai récupéré, mais apparemment il y en a une dans la ruche. Mais je sais plus si j'ai récupéré. Mais alors ça a l'air assez chaud parce que, enfin, ça a l'air assez chaud. C'est la notre fameuse salle préférée juste avant le boss. Et apparemment, il y a un mur qui est cassable. Faut lui faire un tour. Ça m'étonnerait que j'ai récupéré un truc là. Si quelqu'un en connaît un masque shard, enfin un bout de masque qu'on peut récupérer facilement, n'hésitez pas. Hein. J'en cherche juste un. Pas sûr que ce soit le plus simple hein, que j'ai vu. Hein. Il faut que je me retape la ruche. Attends, la ruche, on y va comment déjà? Ouais, station cachée, je crois. C'est assez chiant, c'est vrai que putain, en plus c'est pas le même. Ah oui, non, tramway. Tramway, donc enceinte du palais, ruche. Ah oui, je monte. Oui, j'ai tellement fait le chemin que ça va me revenir, mais qu'est-ce que c'est chiant d'y aller. Alors, enceinte du palais. On va voir, hein, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Entrepôt de la cité, attends. Que je cherche. J'ai joint. Non, Ah, j'ai un bug. Non, pas entrepôt de la... Si, entrepôt de la cité. Non, pas entrepôt de la cité. Station cachée. Club de cerveau. Alors, apparemment, il y en a 16. Donc, j'ai largement de quoi en trouver un parce que j'en ai pas trouvé 16. Je sais pas combien de vies au maxi tu peux avoir dans le jeu, mais... Sachant qu'il doit en falloir 4 à chaque fois, donc 4 vies supplémentaires. J'imagine. 4x4. Sachant que j'ai dû en récupérer 2.
Je sais plus si le jeu t'en donne une. À un moment. Mais de ce que je vois, il y a des boss spéciaux, il y a des quêtes. Il y a des quêtes particulières aussi. J'ai toutes celles vendues par Sly. Les morceaux vendus par Sly, je les ai tous. C'est pour ça que ça me disait rien, là, l'histoire de la ruche, là. Grub Phaser, je vois plus ce que c'est, Grub Phaser. Je vois pas qui c'est. Lumi Fly Lanterne. Je sais pas ce que c'est, South Region, je... Ah, le mec des verres. C'est ça qui parle. C'est vrai que j'ai pas retourné, mais en fait je voulais pas y aller parce qu'il va me donner plein de pognon et je veux pas perdre mon pognon. Je sais jamais. Du coup j'y suis pas retourné volontairement. Oui non mais je vois très bien où il est, je vois qui c'est. Je vois. Mais en fait j'y suis pas retourné volontairement parce que c'est ma banque. J'avais pas envie de gaspiller toute ma thune en fait, je savais pas s'il y avait d'autres trucs à acheter, du coup j'ai laissé volontairement des objets, un peu de thune dans le jeu, les verres, certains verres que j'ai trouvés, j'ai pas été les récupérer. Donc ça se trouve oui, mais je sais pas, je crois qu'il m'en a déjà donné un, parce qu'il faut aller, ils disent combien de fois... Ah c'est le fait d'avoir trouvé la lanterne à Lumafly, ah oui donc j'y ai accès en fait. Mais il va me donner de l'argent aussi. Il faut avoir sauvé 5 verres, ouais, je l'ai déjà eu alors. Sur les 5 verres, j'ai déjà eu. Mais moi, j'ai marqué... Ah mais non, attends, c'est pas la même chose qu'on regarde. Non, non, je dis une connerie, on regarde pas la même chose. Mais attends, apparemment, il y a des... Je vois que la condition, c'est d'avoir des Lumalfly lanternes. J'en ai de ça dans mon inventaire? Ah oui. Ah non, ah mais non, c'est la condition pour y aller. J'ai rien dit. C'est la condition pour y aller. Ouais, le papa, il faut lui donner 5 verres. Donc celui-là, je l'ai récupéré. Je pense que j'ai récupéré aussi celui de la Queen Station. Fungal West. Ouais, je pense que celui-là, je l'ai pas, celui-là. Pour ça, ça me dit vraiment rien. En plus, ça a l'air d'être quand même très particulier. M'étonnerait que j'y ai récupéré. Par contre, je suis pas sûr d'y arriver. Bon, on va déjà essayer ça. Il y en a un donné par Sir. Resting Grounds. Ah, mais 1500 essences, je les ai pas récoltées. En plus, pour les essences, pour en avoir autant, j'imagine qu'il faut faire, je sais pas, soit des combats de colisée, soit il doit y avoir un truc qui doit donner des essences. Mais ça, c'est pas atteignable. J'arrive même pas à en avoir 500 pour le moment. Ça doit être du post-game un peu musclé. Donc celui des essences, je peux pas non plus. Il y en a un, c'est une quête, je sais pas de quoi il me parle. Et il y en a un, j'ai l'impression que c'est des boss spéciaux. Donc ça, c'est pareil, non. Mais peut-être que celui de la ruche est faisable. On va aller voir. On va déjà essayer de se rendre dans la zone de mort. Alors attends. Je sais plus comment on y va avec toutes ces conneries. Ah oui, ça me revient. J'avais dit que le chemin allait me revenir. Mais il n'y avait que des fois qu'ils veulent pas venir. Alors ça, c'est une zone complètement subsidiaire là, dans laquelle on va se rendre. Vous n'êtes même pas obligé de la faire en vrai dans le jeu. Ça vous donne un charme cool quand même. Je vais sans doute utiliser d'ailleurs contre le boss. Voilà. Par contre, c'est une zone super chiante pour son boss. Parce qu'en fait, le problème... Alors, le boss est difficile, mais je pense, je suis même pas sûr que ce soit le plus difficile du jeu, mais bon. Largement pas, à mon avis. Mais même des boss obligatoires. Enfin, obligatoires. Des boss normaux. Pas ceux qui sont enragés.
Mais le problème, c'est pour accéder à sa zone que c'est casse-couille, parce que les ennemis sont assez pénibles. Ils ont tendance à faire de la merde en plus. On va essayer d'y aller doucement. J'ai pas gagné parce qu'il y en a un déjà qui m'a repéré. Voilà. Déjà un de moins. C'est pas eux les plus chiants. Alors attends, lui il va falloir le tuer encore une fois. Je préfère m'en débarrasser pour pas qu'il vienne me rejoindre dans la zone. Parce qu'ils peuvent passer dessous et c'est assez chiant. Évidemment, ce sont des ennemis aériens. Donc attends, par contre, je sais plus où je suis là. Ça c'est la première salle. Hein. Attends, je suis dans quelle salle? Ouais, c'est pas celle-là. Je sais pas où il s'est vautré. Ouais, putain, il va être casse-couille. Ouais, je sais jamais où il va, lui. Il fait mal. Hop. Et ils enlèvent d'autres vies à chaque fois. Alors attends, là je vais me tirer, c'est pas là où je veux aller. Hein. Hop. On va se casser, tac. Ah, merde, il s'est... par contre il s'est garé ici. Bon, on va être obligé de le buter. Je pense, ouais, que malheureusement... Ah, attends, il s'est peut-être cassé, là. Ah, merde. Hop là, c'est bon. On est passé. Alors, c'est la dernière salle qui est plus rapide. Donc, apparemment, c'est ici, à gauche de la salle du boss. Alors, je sais pas, par contre, si c'est dans le fond, en haut, j'en ai aucune idée. Mais ça se trouve, je l'ai déjà récupéré, je m'en souviens absolument pas. Bon, attends, par contre, je vais être obligé de faire les ennemis un à un. Alors, attends, je vais attirer la petite abeille, ici. Hop. Hitbox qui est toujours pour ta gueule. Bon, vraiment relou. Et voilà, et puis ils veulent pas se battre. C'est ça que j'aime bien. Tu mets des ennemis, mais ils veulent pas se battre. Bah, mets pas d'ennemis. Ça va être... D'abord, tu vas gagner du temps. En vrai, dans le jeu, tu gagnes du temps. C'est vraiment une salle pour se ralentir, cette salle. Elle est vraiment horrible. Oh putain, puis la hitbox qui s'active pas. Donc en fait, là, ce que vous voyez, j'ai bien donné un coup d'épée, mais l'animation se déclenche pas parce que le jeu dit t'as touché l'ennemi, alors qu'en fait, l'ennemi est pas sur moi. Et comme il le déclenche avant... Gauche du... à gauche... Ça, il va réussir à me planter, lui, non? Ah, il s'est transformé avant. Gauche de la salle du boss. Mais alors, j'ai aucune idée d'où c'est, hein. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Parce qu'apparemment... Non, c'est pas dans cette salle. Il faut amener une grosse abeille dessus, mais alors... Déjà, faut que je trouve la zone. Parce que oui, les grosses abeilles ont une particularité, c'est qu'elles peuvent casser certains murs qu'on peut pas casser, nous. C'est bizarre où elles sont parties, là. Ouais, donc là, c'est le genre d'endroit où j'ai laissé du pognon au cas où j'en avais besoin. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je laisse les grosses abeilles. Bah, dites le gros merdier, hein, parce que donc là... Alors, attends, toi, on va essayer de s'occuper de... Ah, putain, qu'est-ce qu'il y a en loup. Je vais pas se battre. Hop, on va se mettre là. Ok. Alors, où c'est que ça pourrait être qu'il y a un truc? Je vois rien. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a les abeilles qui sont cachées dans le décor, on voit rien. Là, je sais pas. Attends, on va tirer elle déjà. Voilà. Et maintenant, faut que je laisse les deux grosses en vie. En sachant que là, je sais jamais où elles vont, hein, les grosses. Elles sont bien reloues. Ah, voilà. On sait jamais où elles vont. On sait pas. Elles font 4 coups, 12 coups, 20 coups. On peut pas savoir. C'est ça que j'aime bien avec ces ennemis qui sont absolument pas réglés. On va lui demander de tout péter, hein.
Mais alors, va savoir c'est quoi il faut péter en plus. J'en ai vraiment aucune idée. Bah tu vois, on sait pas où elles vont. En fait, elles ont un homing très bizarre. T'es devant, elles te repèrent, mais elles te repèrent pas après. Ce qui fait que je ne sais pas où elles vont. Voilà, et puis elles me bourrent. C'est des ennemis... Ça, c'est à jamais faire dans des jeux. Hein. Enfin, voilà, si vous êtes développeur, encore une fois, ne faites jamais ça, en fait. Prenez le temps de développer vos ennemis, en fait. Là, c'est vraiment... Ils en avaient plus rien à foutre, le truc est pas fini de dev, quoi. J'espère que c'est pas là-dedans qu'il faut la tirer, là, tu sais. Non, elle pourrait rien casser... non, parce que là... Elle pourrait rien casser... Je pense que c'est en haut de cette zone, mais alors j'en ai vraiment aucune idée. Je deviens folle. C'est le nid, la ruche. The Hive. Et en fait, apparemment, il y a un truc que tu peux casser avec une grosse. Mais je ne sais pas ce que c'est. Attends, je vais retourner là-bas parce que là, c'est zone de mort. Hop, je vais mettre là. Apparemment, il y a une zone que tu peux casser. Je pense que c'est ici puisque c'est censé être à gauche de la salle du boss. Mais je ne sais pas ce qu'elle est censée casser. Bon, je sens que je vais regarder, je vais aller chercher une vidéo. Hein, parce que là, ça va durer des plombes pour rien. Je vais pas ce que j'ai essayé de trouver par moi-même, mais... évidemment, comme j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle pourrait casser... En plus, elles ont une IA extraordinaire. Elle casse des trucs, en fait. Et apparemment, elle peut casser une zone. Bon, attends, on va chercher... Attends, qu'est-ce que je peux mettre là? Hop là. Ça s'appelle Deep Nest en anglais. Ah non, ça s'appelle The Hive. Pardon, non, non, The Hive. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Attends, on va faire simple. Hollow Knight. Guard. The Hive. Il y a quelqu'un qui a dû faire une vidéo là-dessus. Voilà. How to get the Hive Mask Shard. Location. Ça se fait chier, hein. On triche comme on peut, hein. Let me solo her. Alors... Attends, ça c'est la salle, ouais, donc là, il joue aussi bien que moi, tout va bien. Ah bah non, mais j'ai dû... Attends, mais il est où? Ah non, mais j'ai déjà dû faire... Ah, mais je l'ai déjà récupéré, en fait. Mais attends, mais... Par où il est rentré? Je suis pas du tout arrivé dans ce sens, moi, dans cette zone-là. Je suis arrivé de l'autre côté. Ah, parce que oui, tu dois casser ce mur. Ah bah non, bah je l'ai récupéré. Bon bah désolé, j'étais là pour rien. Oui, en fait, j'avais oublié qu'on rentrait pas dans ce sens. En fait, il était là, le truc. Bon bah, ça sert à rien. En fait, j'ai oublié que dans cette salle, on rentrait par le haut. Et pas par le bas. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc non, je l'ai celui-là. Bon, tu vas me dire que je vais être obligé d'aller sacrifier les vers? Bah non, les vers ça marche pas. Les vers ça marche pas... Alors attends, merde, j'ai raté... non, c'est là. Ouais, c'est là. Bon, bah c'était bien essayé, mais c'était pas là. Il y avait de l'idée, hein. Il y avait l'envie de mourir et tout ça. C'est en dessous le tramway, on me dit.
Bon, bah on remballe. Bon bah si ça se trouve, après c'est que des tricky, hein. Parce que celle de Royal Waterway, j'ai dû la voir. Après, je pense qu'à part des side quests ou des trucs un peu bizarres. Ouais, bah on fera 100, hein, parce que le reste... Alors à moins que j'en ai raté une évidente, mais évidemment ça, personne peut le savoir. Attends, ça... ouais, ça j'ai récupéré, donc... Bretta, là, c'est quoi, là? Pas une Bretta, une... Je pense que j'ai dû l'avoir, elle. Je veux toujours aller voir, c'est en bas du village. Je peux aller voir, ça coûte rien, mais je pense que j'y étais dans cette zone. Ah mais non, je dois pas la... Je l'ai pas parce qu'elle est censée retourner à Dirtsmooth après. Ah! Attendez, on a peut-être une piste là. Visiblement, après, t'es censé retourner à Dirtsmooth et compagnie. Donc non, ça se trouve, je l'ai jamais vu. Est-ce que Brita va nous clarifier, va nous rendre l'eau plus pure? Bon, je suis désolé, hein, c'est pas un moment passionnant, mais enfin, il nous manque un masque, alors là, on va quand même pas s'en priver. Hein. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Alors attends, merde, où c'est que je suis parti, moi? Attends, je retrouve même plus mon chemin, ouais, c'est l'autre côté. Non mais non, c'est là. Le mec il veut plus descendre. Hop. Ça doit être un peu en dessous par là. Hop là. Allez, tac. Donc là, on repart. Bah, ça va être station de l'arène. Parce que pour aller au village de la Mante, il n'y a pas. Village Mante. Il n'y a malheureusement pas 30 dissolutions. J'aurais pu utiliser ça, moi. Attendez, je vais voir comment j'y vais là. Donc station de l'arène. Donc le but c'est qu'on aille ici là. Alors ça se trouve voie d'eau royale c'est plus rapide, mais bon station de l'arène ça va pas être, ça va pas être non plus très très long. J'ai déjà fait le chemin. Bah c'est pas spécialement compliqué. Des zones que vous avez accès, auxquelles vous avez accès assez tôt dans le jeu quand même.
Ouais, je crois que c'est là, non? Si la mémoire est bonne. Ouais, après... Ouais, après à droite. Tac. Et alors, attends, qu'est-ce qu'il y a là? Tiens. Qu'est-ce que ça? Qui c'est lui? Gungin Gungi Mushio Senga Pogi Udongo. Je ne sais pas ce que c'est comme langue, hein. Ah. On a à quel jeu là? J'ai la version, je sais pas de quelle langue là. J'imagine que ce personnage doit avoir une quête. Il remplace les emplacements de cornifères, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Hein. Je sais pas quand est-ce d'ailleurs. Je me demande si c'est pas le fait d'avoir. Si c'est les rêveurs qui l'ont pas activé. Parce que je peux repasser comme il n'y a pas si longtemps que ça, il était pas. Oui, alors attends, hop, hop. En vrai, je suis même pas obligé de faire... Ouais, merde. Faut que je tape, quand même. Ce serait bien de taper quand il y a un adversaire. Sauf que je suis parti de mes côtés, je crois. Voilà, très bien. J'ai dit tout à l'heure à droite, je suis parti à gauche, évidemment. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle se passe, hein? Bon, il a une tête bizarre, ce mur. Et ben, allez, hop. On est parti à droite, cette fois-ci. En se concentrant. Mais c'est vrai que je me suis planté, là. Hop, on va voir si je suis bien où il faut. Ouais, il y a la petite lanterne, on est bien. Bonjour monsieur. Ensuite, je descends sur la gauche. On va voir les autres qui vont me cracher dessus. Elles n'auront pas le temps, très bien. Au revoir madame. Ok, on descend au village Mante. Hop. Voilà. Ensuite. Il faut descendre du. Je sais plus comment on y va là. À ce grand. Non, c'est pas là, attends. Non. Ah, mais non, elles nous respectent les Mantes là, non? Ça a pas changé ça. Sauf si tu les attaques, elles t'attaquent pas. Ouais. C'est cool ça. Ouais, alors attends, c'est en dessous de ce côté, je sais plus comment on y va, mais... Oulala, ouh, attends, là c'est zone de mort. Vol de mort. Alors attends, apparemment c'est par là. Zone de ces grands morts, ouais, il y a des fois, c'est des pics partout, hein. Pour plus de... Alors attends, c'est... Merde, mais c'est pas là que... Bon, c'est pas grave. On va sauvegarder. C'est pas là hein, que je voulais aller. Tout va bien. J'étais dans une zone de mort inutile. C'est la même zone, là? Il y avait un truc, là. Je me souvenais même pas. Ok. Comment je remonte? Merde, je suis déjà paumé, je viens d'arriver, je suis déjà paumé. Ah, c'est là. Au revoir madame. Fut un honneur. Attends, je suis plus... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oui, bah oui, à force, hein. Oh. Ah. Mieux. Force de passer. Ah oui, non, il faut que je trappe... Merde. Traverse de l'autre côté. Attends. Passe de ce côté. Je sais plus si je peux monter. Si comme ça je peux monter. Ok, oui, si. Alors attends. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. Bon, il y avait peut-être un moyen plus rapide, hein, par les eaux royales, hein, pour y aller. Là, j'avoue que je ne sais plus à quoi ça ressemble du tout. Toi, tu devrais pas m'attaquer.
Là, il y a un banc. Ouais, bon, on va y aller de toute façon. Action, le banc. Mieux descendre. Le banc. Bon, alors attends, là, là. Ah oui, voilà, c'est elle. Ah oui, en effet, je l'ai vue, mais je ne sais pas comment on y va. Bon, alors attends, comment on y va? Merde, alors apparemment, je suis pas au bon endroit pour y aller. C'est pas par ce côté qu'on y accède à elle. Je pense que je me suis planté d'endroit. Ah si, attends. Il y a peut-être un truc... Ah merde. Oh là là. Zone de mort pas voix. Pour plus de sensations. Ah oui, là je le sens bien là. Hop. Ok, c'est bon. Bonjour madame. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. On est là. Avez-vous oublié qui je suis? Je m'en doutais, tout le monde m'oublie toujours. Qui vous êtes? Votre visage? Vous êtes tellement... Je suis désolé, je me suis perdu, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Vous êtes venu me sauver, Bretta. La fille que tout le monde ignore. Je suis désolé, mais quand je regarde votre visage, je peux à peine... Je n'arrive tout simplement pas à croire que vous êtes venu jusqu'ici pour me sauver. Je n'aurais jamais pu penser que... Qui que ce soit... Je suis désolé, je veux dire, merci, je veux dire, je ferai mieux de partir, je veux dire, je ferai mieux de retourner en ville. C'est bon, on l'a terminé? Merci. Alors, attends. Je libère le chemin, voilà. Ouais, en fait, elle était pas dure à trouver, hein. C'est moi qui ai fait de la merde, là, parce que... Il fallait juste aller dans la zone de la statue... à gauche, et je sais pas ce que j'ai foutu la première fois où je suis venu. J'ai bien exploré comme de la merde. Bon, on remonte. C'est pas là. Et direction... Samus. Non, Dirtsmooth, ou je sais plus comment ça s'appelle. Attends, c'est... Non, c'est pas là, là c'est pour aller... Si, c'est là. On s'en fout en fait. Je peux passer soit par le village des Mantes, soit par en haut. Je sais pas ce qui est le pire. Je me souviens plus trop à quoi ça ressemble. C'est pas là où il y a les champis là qui t'attaquent? Non. Oh, ça a l'air d'aller là. Depuis qu'elle m'attaque plus, ça a l'air quand même... safe. Ah, oula. Pardon madame, j'ai pas fait exprès de vous embuer de poison. Hop, donc ici, hop, j'arrive, je monte. Splush. Ah, splush. Ah, merde. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Ouais, hop. Tac, tac. Non, pas ici, là. Hop. Ouais, je passe par là. Bonjour, monsieur. Je crois qu'il faut que je monte... Ouais, c'est ça. Eh, je sais pas ce que c'est la quête du champi, là. M'intrigue.
J'espère que le jeu se finit genre façon tu peux faire New Game Plus ou tu peux il te remet avant le boss final et tu peux réexplorer. Mais c'est pas sûr parce que comme il y a... Ah non, il te remet peut-être après avoir battu le boss parce que comme il y a des histoires de fins différentes, il doit pas te remettre en état initial pour que tu vois toutes les fins quand même avec une seule save. Mais par contre, je verrais bien genre ouais, t'as battu le boss mais tu peux aller te promener un peu après pour aller finir ce que t'as pas récupéré. Donc là, on va à Dortmouth. Et normalement... Elle a dû investir la maison. Vous savez, j'avais dit, tiens, c'est bizarre, à Dortmouth, il y a une maison, elle est vide. Au tout début, enfin, assez... ouais, plutôt au début hein, du jeu. J'ai jamais trouvé pour ouvrir. Voilà, c'est là. Ah! Parfait! Bon, c'était tout simple à avoir, celui-là. Ouais, j'avais raté vraiment un masque qui devait être sur mon chemin, hein, pour le coup. Le sauveur blanc, la jeune fille s'était réveillée dans l'obscurité confuse, elle tendit les mains, des ronces pointues piquées de tous les côtés et de l'acide brûlant bouillonnait plus bas. Quel cauchemar avait pu l'emmener en ces lieux? Subsistait-il encore une chance de survie? Se croyant condamnée, elle abandonna au... Elle s'abandonna au désespoir jusqu'à ce que la lumière jaillisse au loin, un point lumineux rougeoyant. S'approchant rapidement, il traversa majestueusement les épines, bondit... Au-dessus des eaux brûlantes et se dirigea vers la jeune fille. Elle parle de nous là. En s'approchant plus près, la forme se révéla. C'est un être magnifique avec des cornes pointues d'une blancheur éclatante. Il tendit ses bras vers la jeune fille, l'aidant à se relever d'une poignée ferme. Ah, c'est nous ça. Et ben voilà. On a une vie supplémentaire. Bon, bah là, on est bien pour aller faire ce qu'on a à faire. Oh! Elle est sur le banc maintenant. Ah par contre on peut pas lui parler. Attends, si je peux peut-être lui parler par là. Ah je peux pas lui parler. Putain attendez, j'ai une touche là. C'est où le jeu de drague? C'est où? comment ça s'appelait la Keichu Sim je sais pas quoi, Dating Sim. Bonjour. Regardez, je sais faire des doubles sauts. Ça vous impressionne hein? Bon. Voilà, on n'est pas si mal. Donc cet après-midi, on revient et on passe toute l'après-midi sur le boss de fin parce que enfin, sur le boss de fin. Je sais pas le, enfin, j'imagine, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, hein, mais visiblement, on est bien. On est bien où il faudrait être. Par rapport en plus à ce que l'histoire nous raconte. Donc, bah voilà, cet après-midi, on va falloir passer 2h30, 3h, 4h pour essayer de déglinguer ce machin, histoire d'espérer de voir au moins une fin de ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream, je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite une bonne journée si vous ne repassez pas ici, et nous on se retrouve à partir de 14h. Salut à toi, Fire, qui était là en... qui arrive et qui dit bon bah bon app au final. Bon app Flutchman et on se retrouve, bon app Fréon, on se retrouve à 14h, à tout à l'heure, ciao ciao, bye bye et à toutes.